Salut à vous YouTube, bienvenue sur Rust, j'espère que vous allez bien, ça fait longtemps que j'ai pas joué à Rust. Aujourd'hui on va pas du tout être en mode RP, c'est pas du tout le but ici. Le but ça va être de continuer à explorer le jeu, de continuer à voir un peu tout ce qu'on peut faire. Et surtout, surtout, de se construire une maison. Parce que la dernière fois on avait commencé à construire une maison, puis il y avait un type qui était venu, qui nous avait défoncé. Et ça, voyez-vous, c'est vraiment pas cool. Et ça m'a un peu saoulé. Donc, le but là va être eh bien, d'essayer voilà, d'évoluer tranquillement ensemble. De faire des choses. Et voilà. On est toujours en live comme d'hab. Ça, ça change pas, vous êtes habitués. Super. Voilà. Donc là, je coupe du bois. Hein, comme d'hab, c'est hyper utile. Alors, il pleut. Alors, attendez. Je vais attendre de finir l'arbre là. Voilà. Alors, d'où vient la pluie? Voilà. D'où vient la pluie? Non? Là, il pleut, on est d'accord? Il pleut. Vous voyez comme moi, il pleut. Ok, d'où vient la pluie? Voilà, vous avez 2 heures pour m'expliquer d'où vient la pluie. Alors, on va se faire une petite lance en bois des familles. On va pas faire de papier tout de suite. Alors, papier, ça servira à faire du coup les plans de construction pour ça. Hein, on s'en est rendu compte la dernière fois. Voilà, donc du coup le problème que je vais avoir vu qu'il pleut, c'est que je suis mouillé, vous voyez, wet 10%, donc c'est pas génial. Il va vite falloir que je trouve des tissus dans le but de me couvrir, d'accord. Des tissus et de la pierre. Ah, là, de la bonne grosse weed des familles. Bien ça. Donc les tissus, ça me permet de faire des vêtements. C'est parfait, c'est parfait. Si on rencontre des gens, on essaiera de négocier avec eux. Le but étant qu'ils nous tuent pas, parce que nous on n'est pas là pour les faire chier. Et on espère qu'ils sont non plus pas là pour nous faire chier nous. Ceux et celles qui font l'amour comme maman dans papa à plus de 10 000 mètres d'altitude. Quoi? J'ai pas compris. J'ai pas compris, je trouve ça très bizarre. Alors, vous voyez qu'il y a un système de level en bas à gauche. Donc ça c'est le système de level de Rust. Alors moi je suis niveau 15. Ce qui fait que plus vous avez des levels, plus vous pouvez débloquer des constructions tout simplement. Donc là je vais un peu voir ce que je peux dépenser. Et vous voyez qu'en bas à gauche il y a en dessous du level l'XP qui vous permet justement d'être dépensé de votre argent si vous voulez. Et ça permet d'être dépensé eh bien en amélioration. Là par exemple je pourrais prendre une robe en cuir par exemple. Trappe à échelle. Un t-shirt. Guitare acoustique, flèche à haute vélocité, couperet de récupération, non. Grenade en boîte de haricots, non. Piolet de récupération, kit de panneau, fusil de chasse à double canon, c'est pas mal ça. On va prendre. Oh, une arbalète. On va prendre l'arbalète, j'adore l'arme. On va prendre l'arbalète, on va prendre le t-shirt. Vous voyez, ça coûte 5 XP. Ah, ça a lagué! Ah non, c'est bon. Donc 5 XP, voilà, je redescends à 5 et on va prendre en dernier, je sais pas moi, le panneau en bois pour écrire que c'est chez nous et que voilà, ici c'est chez nous. Alors, hop, ça c'est fait, ensuite qu'est-ce que je peux faire là? Pas grand chose, je pourrais faire un piège à poisson mais ça m'apporte pas grand chose. Alors il va falloir que je commence à trouver de la pierre et toujours du tissu. Ah, le champignon! C'est beau le champignon. Bon, ça va les gens sur le live, sinon comment vous allez aujourd'hui? Vous avez passé une bonne journée? Bon, elle était bien remplie encore aujourd'hui. J'ai fait plein de trucs très intéressants et j'ai appris beaucoup de choses et ça c'est cool. Je vous en parlerai plus tard si vous voulez. Bon, ça m'énerve qu'il pleuve et que je sache pas d'où ça vient. Non mais sérieux, à quelle heure il pleut là? Il pleut pas là? Ah mais si, il pleut là. C'est pas comme dans Minecraft, tu sais, où il pleut genre à un moment et puis ça s'arrête d'un coup. T'sais. Non, non. Là il pleut mais il y a un grand soleil, t'sais. Ça a pas de sens. J'étais en congé pour une fois. Mais oui, voilà où. Putain, c'est beau ça. Parce que le mec a plus le temps de passer et tout. Il a une vie trop trop trépidante. Il nous a oublié. Il fait plus son travail de modérateur. Tout ça, c'est le chaos sur le stream. Voilà, je veux dire, là, on est... On a atteint des sommets de... Voilà, de chaotrie, quoi. Voilà, niveau chaotrie, on en est là. Bon, je vais essayer de récupérer du bois en masse. De toute façon, ça me servira à faire mes plans de construction. On va essayer de se trouver un petit endroit sympa où se faire une maison. On va essayer d'avancer un petit peu d'abord.
Le mieux, ça serait près d'un cours d'eau et près de là où il y a potentiellement des mobs, enfin de la nourriture. Ça serait vraiment le top du top. Je cherche pas forcément à m'installer près d'une ville ou quoi. Je m'en tape un peu. J'ai vraiment besoin de, voilà, de calme. Hein. Et notre but, ça va être eh bien de devenir un chasseur aguerri. Voilà. Donc ça c'est un peu l'objectif de toute une vie. C'est un peu le Bad versus Wild, mais version Rust. Ok. Donc là-bas, il y a un cours d'eau. Mais comme j'ai dit, j'aimerais bien avancer un petit peu avant de pouvoir m'installer. Donc on va courir comme des gros sacs. Hein, c'est très bien. Je suis un mec qui court, moi, dans la vie. Hop, minerai de métal, on récupère. Et heureusement que je l'ai vu. Oh putain, c'est un ours. Oh putain, il y a un ours. Alors, les ours, ce sont nos ennemis numéro 1. Je pense que vous savez très bien tous pourquoi. Mais voilà, les ours, c'est à éviter, clairement. C'est le truc, voilà. J'ai jamais réussi à en tuer un. Si, j'en ai tué un une fois, mais j'étais overstuff. Mais alors, sinon. Voilà, on sait pourquoi les ours ça pue la merde et on va les esquiver le plus. Voilà. Le plus esquivation possible, de type esquivable. Ça va être esquivé, ok? Là, voilà, on n'est pas là pour faire des fifous. Moi, je veux pas crever toutes les 5 minutes. Voilà, je veux construire quelque chose aujourd'hui. Ensemble. Je veux ensemble, d'accord? Donc, voilà. Et il faut peut-être qu'on trouve des vêtements aussi. Mais ça c'est encore une autre paire de manches. Mais donc, quel humour! Je suis vraiment trop drôle comme gars en fait. Je pense que bientôt je vais faire des one man show et tout. Là-bas il y a une maison. Ah oui, là-bas il y a une sacrée. D'accord. Il y a des gens qui sont déjà venus ici. Alors ce serveur est pas. Enfin, j'ai pas l'impression que ce serveur soit hyper peuplé. Par contre, les gens ont foutu des maisons n'importe où, quoi. Mais genre vraiment, il y a des maisons dans tous les sens, dans tous les coins, et voilà. Et le pire, c'est qu'elles sont pas forcément habitées, quoi. C'est vraiment genre, c'est le bordel. Alors le problème que j'ai également, c'est que là, ça commence à devenir un peu brouillardon, on va dire. Je peux rien faire d'intéressant en stuff. Je suis un peu à un mauvais endroit là. J'ai pas de pierre. J'ai absolument rien à ma disposition. Ça se casse pas, on est d'accord. C'est de la daube. En fait, c'est vraiment ça. Rust, c'est genre, tu trouves de la pierre. Une fois que tu trouves de la pierre, c'est bon, t'es débloqué quoi. Mais alors là. Oh. J'ai vu un truc bouger là-bas. C'était pas un ours, j'espère. Ah non, c'est l'ombre du. Ça va. Non, parce que les ours qui sortent des pierres, ça y est, ça c'est bon, j'ai compris, là, c'est bon, ça m'a saoulé 2 minutes, là. Maintenant, je veux passer à autre chose. Clairement, ça va, quoi. Hein, bon. J'aimerais bien récupérer quand même du tissu, ça serait vraiment super. Ah, il y a un panneau là-bas! Et là-bas, il y a une zone, vous voyez, de ville type. Est-ce qu'on n'irait pas là-bas? Parce que souvent il y a des coffres et tout. Ah oui. Ah. Je peux me faire une chemise. Je vais me faire une chemise. Sans chemise. Sans pantalon. Alors pourquoi je traverse pas l'eau? Parce qu'en fait, ça vous. Ça vous. Enfin, ça fait froid en fait. Tout simplement. Et du coup, voilà. Mais là, on arrive dans un truc de désert, je crois. Donc du coup, ça va être bien, non? Ah! Minerai de métal. Oh, je crois que c'est de la pierre. Ah, oh, déçu. Déçu. Je sais pas si on va pas par là-bas du coup. Je ne sais pas. Il y a quelqu'un qui a fait une maison là. Elle est moche. Oh là là. Ah, nous, ce sera plus joli que ça. Hein. Ah là-bas, il y a encore une pierre. Ou du minerai de métal. J'espère que c'est une pierre. C'est pierre. Oui. Mais on en a pas assez pour faire quoi que ce soit. Alors, j'aimerais bien aller là-bas. Ah bah c'est parfait, ça fait le tour. Bon, écoute, on va aller par là-bas, je pense. Oh. C'est quoi ça? Ah, il y a quelqu'un qui a fait un truc là, c'est quoi ça? C'est un truc pour assainir l'eau, non? J'ai aucune idée de ce que c'est que ce truc. Sélectionnez un conteneur approprié dans votre inventaire, vous faites glisser à l'aide de l'icône. Remplir, vider, loot. J'ai aucune idée de ce que c'est. Bon. Je commence à avoir grave faim, je vais manger ça. Voilà, les champignons. Les champignons, c'est vraiment pas mal en vrai.
Franchement, c'est pas voilà, c'est le bon truc. Tu sais, t'arrêtes de courir en fait. Je sais pas si je vais là-bas. Ah oui! Ah oui! Ah oui, de la pierre! Ah! Alors là. Là, je suis heureux là. Alors là. Là, c'était le moment qu'il fallait pour que je trouve ce truc. Ah, il y a l'avion. Je l'entends. Ça peut être pas mal aussi, si j'arrive à récupérer une caisse de trucs aériens là. On peut se mettre potentiellement pas mal. Pour faire la maison. Hein. Le but c'est pas de taper les autres. Ouais, d'accord. Vous êtes bien d'accord les enfants? Oui, capitaine! J'ai pas entendu! Oui, capitaine! Wow! Qui vit dans un las dans la mer, les porcs. Pourquoi je chante ça, putain? Je vais encore me faire strike mes vidéos YouTube parce que je chante trop bien et que les bots ils pensent qu'en fait c'est pas. Bah c'est la vraie chanson. Alors, on va faire une pioche. Putain, j'avais oublié de mettre ça quoi. Oh, on va faire une pioche, on va finir ça à la pioche une fois qu'elle sera faite. Parce que du coup, ça. Ah, hein, voilà. L'avion, 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 ça fait lever les yeux. Eh oui, effectivement, mais là je vois pas l'avion. Je sais pas si je l'ai entendu ou pas en fait. Enfin, j'ai cru l'entendre, mais je sais pas si c'était vraiment ça ou pas. Voilà, bon, qui crie qu'il est niveau 2. Mais en fait, il est niveau 4. Je suis niveau 2. Palapapapala. Je suis niveau 2. Palapapapala. Voilà, hop. Ça c'est bien, plus de minerais, et on peut se faire une hachette. Et ça c'est bien. Et ben voilà. Et ben c'est pas mal ça. Alors on a plus besoin de ça du coup. Hop, hop, hop. Par contre, je suis en train de crever de faim, donc il faut absolument que je trouve de la nourriture. Il faut absolument, absolument que je trouve de la nourriture. Je vais aller voir les poteaux électriques là-bas. Souvent il y a des choses en bas des poteaux électriques en fait. On m'a dit ça un jour. Un jour, il y a un mec, genre de type fort, qui m'a dit, hey, il y a des trucs en bas des poteaux électriques. Du coup, on va aller check ça. Voilà. Mais d'ailleurs, j'ai récupéré du bois, parce que le bois, c'est la vie. Alors, vous savez quoi? Du bois, il y en a assez partout, j'en récupérerai après. L'objectif, pour l'instant, c'est de manger. D'accord. Oh, de la weed. Oh, bah tiens, de la weed. Ah bah de la weed là-bas aussi. Ah! J'ai hâte de me faire des bottes en weed. Smoke weed every day. Ah bah tiens, justement. Ah, je vais pas me faire les bottes. Je vais attendre d'avoir assez pour me faire le pantalon. Je suis toujours en train de crever de faim. Et je suis mouillé. La 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 la. J'aimerais bien pouvoir trouver un truc à bouffer. Oh putain, faut vraiment que j'arrête de courir. C'est quoi ce bruit? Oh, mais je vais y aller en fait. Honnêtement, si je trouve pas un truc à manger là, je vais mourir en fait. Faut que j'arrive jusqu'au poteau électrique et que je prie pour qu'il y ait des caisses et que dans ces caisses, il y ait des trucs à bouffer. Voilà. Sinon je suis. Bah sinon je suis potentiellement mort. Parce que là j'ai plus de bouffe, donc voilà. Et ça va être compliqué. Tout ceci va être compliqué. Alors hop. De la weed. Là-bas il y a encore de la weed. De l'herbe, hein, évidemment. Arrêtez de. Bon. Le pantalon. Alors, ah, une petite maison là-bas, genre protégée et tout en plus. Est-ce qu'il y a des. Oh oui, il y en a un là-bas! Ah non, c'est. Est-ce que c'est un. Oui, c'est un truc. Oui, c'est bon. Ok, c'est bon, il y a des trucs, il y a des trucs, il y a des trucs. Il y a potentiellement de la nourriture. Je m'en fous, je cours. Potentiellement de la nourriture là-dedans. Ah, des barres de chocolat! Oui, du chocolat! Oh, c'est bon, le chocolat! Ah! Là-dedans. Oh, putain, seringue médicale. What the fuck?
Soignez-vous ou soignez les autres avec cette seringue. Un clic gauche pour vous soigner. Ok. Ok. Très bien, je trouve une seringue, les gens. Les poteaux électriques, c'est vraiment la vie. On va les suivre. En fait, pour le moment, on essaie de se mettre bien niveau stuff. Pour être sûr de. Voilà, d'être tranquillou. Oh! Oh! Holy shit! Ah, j'ai une arme, mon gars! Ouah! Vous approchez pas de moi! Ouah! Garde à vous! Lol. Bon. C'est joli ici. Bon, je dis rien, oui, c'est sûr. Bon, je vais continuer à chercher à trouver de la bouffe. Il pleut dans le. Pas très étanche, dis donc, ce bordel. Je vais récupérer la pierre là. Je sais pas si je vais par là-bas. Je sais pas si je vais par là-bas ou par là-bas. J'ai l'impression que par là-bas ça m'aide à une ville. Donc je vais aller par là-bas. Mais je peux courir maintenant. Donc courons. Courons. Courons les amis, courons. Je crois qu'il y a un truc qui me chiffonne, il n'y a plus de musique ou quoi. Je peux mettre en pirate, what the fuck. C'est pas le drapeau français? C'est le drapeau français. Options. Audio. Musique volume. Je sais pas, c'est bizarre. Je dirais par là-bas. Il boit. Et quoi là? Oh! Y'a un arc! Oh là là, mais je suis verni! Ah, oh, je suis tellement. Oh là là, bah là 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 là. Mais là, c'est. Qu'est-ce que tu fais? J'avais une flèche qui était coincée. Oh là là, les gens! Alors là, je suis heureux, mais un truc de fou. J'ai un arc, et ça. Ça. Ça vaut tout l'or du monde. Ah! Salut Mika Steel, bienvenue à toi. Oh là, voilà, doucement la pomme. Doucement. Bonjour. Une pomme, on va la manger. Non mais là je mange tout ce que je trouve en fait. Ah j'en ai plusieurs. Ah non, pas du tout. Ha lol. Bon, il faut que je continue par là-bas, d'accord. Ok. Là je crois qu'on va venir par débarquer dans un village. Faut que je fasse gaffe parce que les gens sur le serveur sont un peu hostiles, chelous, donc... Faut quand même que je fasse attention. Quoi. Les gens sont rapidement vénères ici. Bon, je pense que là on est pas mal. J'ai pas mis mon pantalon. J'ai pas mis mon pantalon. Je pense que très très cool, ça de se trouver un endroit sympa. Sympa là, mettons-le. Le téléphone. Plan de recherche. C'est quoi un plan de recherche? Je sais pas quoi ça sert, c'est pas grave. Ouais, il faudrait trouver un endroit sympa pour établir une maison. Ça serait cool. Et du coup, la musique est trop forte là maintenant. Tu joues ma gueule ou. Vous avez senti que ça a changé quelque chose ou pas? Parce que, clairement. Je crois que les cactus donnent de la fibre, non? Pour faire des. Oui, je m'approche trop, mais. Ouais, ça donne du tissu. Ça, c'est parfait ça. C'est parfait pour moi. C'est pour faire des vêtements. Des vêtements et un plastron en machin. Alors la lance en pierre. Ça c'est plutôt une bonne idée. D'améliorer ma lance en lance en pierre. Bon, regarde, alors personne ici. Donc c'est pas forcément une mauvaise nouvelle. Mais en fait je redoute vraiment de croiser des gens ici. Parce que vraiment tous les gens que j'ai croisés sur ce serveur m'ont tué quoi. Enfin à peu près tous. Donc du coup je suis un peu en mode voilà, j'ai pas envie de voilà, j'ai pas envie de me faire tuer, je suis là tranquillou. Je suis au petit bout de chemin. Par je manque. Bah écoute, envoie-lui du message. Chevrotine calibre 12. Ah oui quand même. Donc on rigole pas. Ah putain, c'est bientôt la nuit. Oh non. Cartouche artisanale. Baril d'eau. Ah! Putain, j'ai pris. Oh là là, d'accord, un baril carrément. Il y avait un baril dans une petite caisse. Là-bas, il y a du minerai. Je vais le récupérer. Et ah ça, mais c'est insupportable qu'il pleuve tout le temps, quoi. Minerai.
Là on est pas mal. Franchement tout ce qui nous manque c'est un bon spot de bouffe et on sera parfait. Vénère. De la pierre, du caillou. Putain, level 16, allez. Comment c'est beau. Alors, justement, on va profiter d'être level 16. On va voir ce qu'on peut augmenter. On verra ça tout à l'heure. On verra ça quand on sera en pause. Parce que là, il va falloir qu'on se bouge le cul pour... Aïe. Je me suis piqué, chef. Faut que je me trouve un abri pour la nuit. Faut que je fasse gaffe à ces trucs là, ça fait mal en vrai. Je te conseille de farm du bois et de construire une maison. Ouais, c'est ce que je veux faire. Mais pas dans la nuit du coup. Pas en pleine nuit. Mais oui, c'est dans mes projets, effectivement. Oh. Il y a plein de trucs là. Ah mais c'est pas une maison. Je pensais que c'était une maison mais en fait non, c'est un vieux truc en bois, en pierre qu'ils ont foutu là à la ZEP. Y'a quoi dedans? De l'eau, je vais la boire. Parce que j'ai soif, voilà. On boit tout, on garde la bouteille vide, ça peut nous servir, on va manger la pomme. Ok, donc c'est bientôt la nuit. Va falloir que je me trouve soit un abri, soit que je sois dans une zone safe. Bon là ça va. Ça va. Pour que tu sois safe. Ouais, j'avoue. Non, mais il va falloir que je trouve un truc là. Parce que la nuit dans Rust, voilà, je suis pas ultra méga chaud. Putain, mais. Cette pluie. Hop. Voilà, ça on s'en fout, ça me sert à rien. Je mange à fond là parce que. Au pire, on aura de la nourriture quand on tuera des animaux plus tard. Pour le moment, on récupère tout ce qu'on peut récupérer. Il n'y a rien dedans. Là, on a trouvé le bon spot là pour se mettre bien. Je vais récupérer ça. Hop. Salut MR l'original. Bienvenue à toi. Si tu es original, c'est tant mieux parce que j'aime pas trop les copies moi. Je suis un peu, tu vois, je suis un peu un mec qui aime les choses bien faites. Ah, regardez comme il est glorieux. Il a fait bugger l'alerte. C'est horrible. Merci beaucoup à toi, l'original du coup. Merci beaucoup. Bienvenue dans la confrérie des Unarves alcooliques. J'espère que tu t'y sentiras comme chez toi. Car voilà, c'est un peu... voilà, c'est un peu ton endroit aussi. Si tu veux en faire ton endroit, voilà, tu peux. Tu vas bien. Bah écoute, ça va très très bien. Et toi, comment vas-tu aujourd'hui? En cette belle journée, cette belle soirée. Bonjour! Bonjour! Hey, Louja, rejoins! Il y a Volao et Captain qui ont dit que comme t'es pas là, c'était la fête au village et qu'ils pouvaient faire n'importe quoi. Je pense qu'il faut les recadrer. Attends, je vais les banner. Eh, doucement. Je reviens plus tard, bah, du coup, il s'en va. Bon, il nous faut un endroit paisible. Il nous faut un endroit paisible. Attendez, je casse ça et je recharge pas tout. Y'a quoi là-dedans? Y'avait rien. Ah, mais l'éteins pas, débile! Merci. Y'avait rien? Ah, si, y'a un truc. Achète en pierre. Bien! Très bien. Nickel, j'attends mon PC avec impatience. Ah, tu peux commander un PC? Tu l'as fait toi-même. Ça, c'est bien ça. Quoi? Attends, y'avait un baril dans un baril? Putain les gars, j'ai une idée. Putain, la réunion des développeurs. Putain les gars, j'ai une idée, on va faire un baril. Mais en fait à l'intérieur il y aura un baril. T'as tout le monde de l'équipe de développement. Ils se font putain génie mec. Oh, faisons ça et tout. Des fous. Salut Mike. Bienvenue. Ça va? T'as passé une bonne journée? Alors, si mon expérience brève mais intense dans Rust m'a appris quelque chose, c'est que les torches ne durent pas une nuit entière. Donc il va falloir que je me démerde le cul pour me trouver un endroit assez safe pour me poser.
faire un feu et attendre le jour. Ensuite, ce qu'on va faire, c'est trouver un endroit sympa où on peut chasser pour construire une maison, essayer de construire une maison. Voilà, un truc plutôt sympatrique. Et voilà. Aïe! Putain, je me suis encore. Mais je suis vraiment un connard. Je l'ai commandé déjà fait. Ah! Bon, c'est cool. Parlant de PC, je m'en suis monté un, du coup, je revis. Je comprends. Je comprends, je comprends. Moi, le bien commence à dater un peu, peut-être. Enfin, c'est relatif, mais bon. J'ai pas les moyens de changer pour l'instant. Allez, je sais pas, une maison abandonnée, un truc n'importe quoi là. Je veux pas rester comme ça. C'est chiant. Évidemment, moi quand je cherche de la bouffe, hein, des animaux, il n'y en a pas. Mais vous allez voir que vu que là c'est la nuit et que j'ai aucune visibilité, je vais tomber sur quoi? Des animaux. Des animaux. Salut Kiss, Kikas TV. Qui casse IV, pardon, n'importe quoi, enfin qui casse 4. Bienvenue à toi. Tu sais à quelle heure est la wipe? La wipe? J'ai aucune idée de quoi tu parles. Mais du coup, je sais pas. Bon, là-bas, il y a le machin nucléaire là. Au pire, on va se planquer dedans. Je pense que c'est une bonne idée. Ma torche est à plus de la moitié là, c'est chaud quand même. Va falloir que je me dépêche. Mais en vrai, je sais que c'était bizarre que tu sois pas là et tu manquais beaucoup à Captain. Ton cunnilingus va encore déformer. C'est pas fou. Enfin, c'est pas vrai. Ah, encore une hache en pierre, c'est bien ça. Éloigne-toi de toute construction. Qui dit construction dit du peuple. Bah ouais, mais moi je suis pas hostile, moi. Moi je suis pas hostile donc écoute, moi ça m'est déjà arrivé d'arriver sur ce serveur et de croiser un mec, lui dire écoute mec, moi je fais mon expérience tranquillement du jeu à côté, tu vois, je te veux pas de mal. Voilà, tu vois, certains ont été assez compréhensifs et m'ont laissé tranquille, d'autres m'ont kill instant, ce que j'ai trouvé très méchant. D'ailleurs je leur ai dit, hein. Je leur ai dit vous êtes des connards, mais voilà. On verra. Moi, je suis pas là pour faire, voilà, je suis pas là pour faire des emmerdes. Je suis là pour découvrir le jeu, pour m'amuser un peu, pour voilà, pour construire ma maison tranquille. Je demande rien à personne. Et puis voilà. De toute façon, les aliens de jeu, les mecs qui jouent tout le temps sur serveur et tout, ils sont bien trop stuff pour s'occuper d'un mec comme moi tout nu. Voilà, j'ai envie de vous dire, hein, bon. Ah, je pense que dormir là-dedans est la bonne solution. Je pense effectivement que voilà, ça ne craint pas du tout. Ça ne craint pas du tout de problèmes de type. Est-ce que je peux allumer et monter en temps? Oui, c'est incroyable. De type radiation, je pense que ça va. On va aller en haut. On va déposer notre camp là. Voilà, on va déposer notre feu de camp. Et on va se poser là, les gens. Et ça va être super. Moi je pense que là on est pas mal. Alors, feu de camp, c'est parti. Création du feu de camp. On se pose là et on attend le lendemain matin. Enfin le lendemain matin. On attend le matin. Ensuite, on se trouve un spot sympa. Et on essaie de construire une maison. Potable. À peu près. À peu près potable. Voilà, vous voyez rien, c'est normal, bon non plus, vous inquiétez pas, tout va bien. Tout se passe très bien. Le feu de camp est prêt. On peut pas le poser là! Mais oui! Putain, on peut pas le poser là. Ah, faut que je descende. Oula, 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 doucement. Doucement. Alors, je sais pas ce qui se passe là, je sais pas si mon ombre est en train de déconner ou quoi, mais c'est un peu bizarre. Où est-ce que je peux poser mon feu du coup? Pourquoi je. Pourquoi je peux pas le poser? Allô? Allô, le feu? J'aimerais poser mon feu de camp, putain. Résultat, je vais être obligé de le poser. Mais. What? C'est quoi le bordel? Pourquoi je peux pas poser mon feu de camp là? Allô?
Un wipe, c'est arrêter des serveurs en gros. Et ce soir, il y a wipe de tous les serveurs car ils changent de système d'XP. Ah! D'accord. Ok. Bah écoute, d'accord. Et bah du coup, c'est ce soir. Alors, l'heure exacte. Tu peux pas poser d'objets dans les rades. Ah! Donc les endroits là, comme ça, là? Ah ouais. Les endroits où il y a les constructions ou les déserts? Mais c'est de la daube! Oh, il y a un poney! Ah non, c'est un cerf! Oh! Oh putain, vous sentez la traque de nuit là? Je sais pas si vous voyez grand chose, mais. La traque de nuit, les gens. Vous le sentez là ou pas? Je sais pas s'il faut que j'utilise ça. Je pense qu'il faut que j'utilise ça plutôt. Oh, on lui a défoncé sa mère. Je suis très fier de vous là les gens. Vous avez vraiment été très efficace. Alors, ça on peut jeter, on s'en fout. 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 Du coup, moi je veux te voir dans un film pornographique. Non, ça c'est autre chose. J'ai besoin de la graisse animale. J'ai besoin du cuir. J'ai besoin... Elle est où le blanc de poulet cru, voilà, parfait. Ah, c'est le matin. On va y voir quelque chose. Ah, bon, parfait. Du coup, vu que c'est le matin, on a plus besoin du feu. On va se manger un petit chocolat quand même. C'est bien le chocolat. J'ai pas trouvé ma flèche. Caillou. Plan de recherche. Hein, c'est une chose d'itinéraire, cuit. J'ai pas retrouvé ma flèche. Dommage. Dommage. Ah, j'adore l'odeur du napalm au petit matin. Bon. Il faut qu'on se trouve. Putain, j'oublie toujours de mettre les objets que je fabrique. Il faut qu'on se trouve. Il faut qu'on se trouve un endroit sympa où il y a des mobs. Enfin, où il y a des. Où il y a de la vie, quoi. De la vie animale. Pour qu'on puisse. Oh! J'ai tué la mère de Bambi. Maintenant, ça va être au tour de Bambi. Meurs, Bambi! Oh! Dans ton cul, Bambi! Pardon, excusez-moi. Je sais que c'est un traumatisme pour beaucoup d'entre vous, mais j'ai tué Bambi et alors? Ah! Maintenant, je dépece Bambi. Dépece? 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 Bon, je pense que après ce double meurtre absolument ignoble. C'est l'heure pour les amis de YouTube qui regardent leur diffusion d'arrêter la vidéo, car c'est la fin. Et voilà. Et on leur remercie et on les retrouve très vite pour la suite de l'aventure. Hein, YouTube? Vous êtes d'accord? C'est tant pis de toute façon. Bisous.